Si vous avez besoin de crédit, allez sur onefifa.com, utilisez le code CLOPI pour avoir 5% de réduction et puis vous êtes livré dans les 5 minutes qui viennent en fonction du stock disponible. Eh bien salut les amis, c'est Clopy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma série Gagner sinon rien. Je sais plus à quel épisode on était, je crois que c'est l'épisode 6 si je dis pas de conneries. Donc on va relancer directement un match puisque au match précédent on s'est fait déconnecter pareil. Yay, enfin bref, on va pas compter ça comme une défaite parce que ma play elle a pas bugué ni rien, ma connexion elle est nickel. Donc on va relancer avec un match avec l'équipe de l'Argentine. Donc j'ai rien changé, il y a Leo Messi, Agüero, Di Maria, tout le tralala. Et on se retrouve tout de suite pour le premier match de l'épisode. Et pour ce premier match, on se retrouve avec une équipe européenne. Oula, Karim Benzema en pointe, le 87 de général. Il a été man of the match suite à son très bon match d'ouverture. Après voilà, il y a des joueurs classiques. Au goal, il y a Courtois. Allez, Agüero, c'est parti. On perd le ballon. Non, on l'a toujours. Allez. Léo Messi qui fait l'appel tout de suite. On l'a vu partir. Léo Messi va croiser sa frappe. Ouh, ça passe juste à côté. Et Léo Messi, il nous fait un cadeau. Messi. Et non, il frappe du gauche, frère. Allez. Corner, attention, c'est chaud. Gérard, il est tiré très très bien. Et 1-0. Voilà, donc premier corner, premier but. Jérôme Boateng, 6ème minute de jeu. On va rester calme, les gars, on les zen, tranquillement. Mascherano, il va frapper. Mais c'est pas toi. Mais non, 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 non. C'est un complot, là. Arrêtez. Allez, Léo. Pour Sergio Kun Agüero. Le lob. J'avais dit, mais là, t'es obligé. Ah, voilà, quand même. Encore un but dégueulasse, je suis abonné au but dégueulasse les gars, mais c'est pas grave parce que c'est mérité, c'est tout simplement mérité. Agüero, Mascherano pour Léo Messi, voilà, voilà, la machine en route, la machine est en route. Voilà, 2-1, ça c'est amplement mérité, ok. On est remis, on s'est remis dans le droit chemin. Quand même Benzema, je ne critique pas. Ouais, mon gardien c'est une quiche molle, mon gardien c'est une quiche molle. Di Maria. Pour Léo Messi. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Messi, golasso! Autant abuser, si déjà on l'a, autant en profiter. Agüero, avait dit, il a fait l'appel. Non, bah Messi, il repart. Hein. Ah oui, Léo. Ah oui, Léo. Et voilà, poteau rentrant, triplé de Léo Messi en même pas 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a un problème pour l'appeler? Oui, il compte bien les élèves, c'est bien. Tu leur apprends, t'as raison, frère. Allez, Di Maria, c'est parti, coup d'accélérateur. Ezequiel l'avait dit, il a fait l'appel. L'avait dit, il a vu la sortie du gardien, il frappe. Oh putain, la barre, ah, dommage. On repasse par Messi. Oh oui, Léo Messi, quel festival. Oh putain, je croyais qu'il y avait but. Mascherano, tranquillement, tranquillement. Allez, Agüero, pour Ezequiel. Ezequiel, allez, maintenant, vas-y. Marque-le ton but, t'as fait une barre avant. Yes, tranquille, 5-2. Léo Messi, il a pas sifflé faute avant. Fernandez, voilà, 6-2. Tranquillement, on venge nos joueurs, c'est essentiel. Et c'est le but de Karim Benzema, voilà, la 90e minute sur corner. Ça changera rien au résultat final. Hein. La fin du match est sifflée, les amis. On aura gagné 6-3, ça fait plaisir. On se retrouve tout de suite pour le match suivant. Donc c'est parti pour notre deuxième match de l'épisode. Et on tombe encore contre un Cristiano Ronaldo. Ah là là. Ah, une belle équipe européenne. Hein. Agüero, il a fait l'appel. Magnifique. Oh oui. Oh oui, l'action, elle est magnifique. L'appel qui nous lâche. Après, voilà, la petite balle piquée. Ça fait déjà 1-0. Mais c'est pour Fernandez. C'est bien joué, ça. Petit gris-gris, Fernandez qui passe tranquille. Il a vu Agüero, il a vu Messi. Place. Putain, c'est sorti par Neuer, cette petite centre. Ah, il centre pas quand même. Si, il centre. C'est l'égalisation de Mesut Özil. Ah, Isco, pardon, c'était Isco. Il s'est retourné parfaitement. Là, il y a faute. Carton rouge, monsieur l'arbitre, c'est de l'anti-jeu. Il n'y a pas de jaune, il n'y a rien du tout. Oh putain, c'était bien fait. Pour moi qui ne sais pas tirer, c'était pas mal. Hein. On obtient un corner, c'est déjà pas mal. Allez, on la met dans le tas comme il faut. Là, il y a but. C'est bien, voilà. Le coup franc a quand même provoqué le but. A amené le but. C'est ça qu'on voulait voir. Colocini. Messi, vas-y tout seul. Frappe croisée. Putain, il la sort. C'est pas possible. Lavezzi, allez. Oh putain, Lavezzi, qu'est-ce que tu nous fais? Et voilà, on le paye cash, l'avait dit. Il a mis 15 ans à faire sa frappe. Enfin, ça passe. Et voilà, Ronaldo, il nous fait pas de pitié. Aucun rien, aucun cadeau. Normal, hein. Voilà, on le paye cash. Le Crémi, je te...
Putain, il y a quelqu'un au centre. Oh, po, Samima. Oh, je vais pas dire le mot. Et voilà. Vous avez compris. Il m'a laissé aucune chance. Là, il a... Oh, putain. Je pense même qu'il a fait un trou dans le filet. Allez, Fernandez, c'est bien. Pour Léo Messi. Allez, let's go. Messi repique. Là, il y a but. Non, mais... Neuer, il sort tous les ballons, bordel, aussi. Agüero, t'as vu partir Léo Messi. Plus personne peut nous arrêter. Léo Messi, t'es parti. Léo Messi, croise. Oui, voilà, on l'a, l'égalisation. C'était sûr, le croisé qui passait. Bon, alors, est-ce qu'on est qualifié, quand même? Est-ce qu'on est qualifié malgré ce 3-3? Je ne sais pas. Oh ouais, on est qualifié, c'est bien ça, c'est bon ça. Donc ça compte pas comme une défaite, hein, donc on continue avec l'Argentine puisqu'on est qualifié. Donc c'est parti pour les 8e de finale, les gars, tout de suite. Ok les amis, c'est parti pour les 8e de finale. Tranquillement avec l'Argentine, on va tomber contre le Ghana. Jamais tombé contre le Ghana. Bien évidemment, ça va être une équipe européenne. Voilà, il y a du monde, il y a Reus, Obutalioris, à droite, il y a Müller. Ouais, d'accord. Gaze de Pierre aussi, en plus il est gaucher, ça fait un 0, voilà. Ça apprendra à fermer ma gueule. Là-haut, il y a Agüero. Il va se mettre sur sa frappe. Et c'est Lavezzi qui a suivi. Pocho, comment tu loupes ça? Lavezzi. Il y a Messi qui est parti. Magnifique passe. Oh là là, magnifique. Messi, tu le finis? T'étais obligé. T'étais obligé, la passe, elle était tout simplement sublime. Di Maria, magnifique. Oh oui, Agüero. Finis-le. Croise. Et c'est 2-0, la frappe en force au ras du sol. 30e minute de jeu, c'est 2-1, pardon. Je m'excuse, je me suis trompé. Excusez-moi, dis cette phrase, que ça finisse mauvais. El Shaarawy, golazo. Ah oui, Di Maria, il se promène. Oh non, juste à côté. Zabaleta, c'est bien ça. Allez, c'est propre. Zabaleta, il passe tout seul. Il va la donner parfaitement pour Agüero. C'était magnifique cette passe. Regardez l'autre, il allait marquer contre son camp. Oh la grosse blague. Ralenti s'il vous plaît. Zabaleta, magnifique passe. Pour Agüero, elle était parfaite. Et là, regardez, il va marquer contre son camp limite. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Oh, il fait tourner, ça me fait mal. Oh là là. Le but pas mérité, tu sais. Bon, l'action elle est construite. Et ça fait juste 5 fois que je frappe au but et que c'est arrêté. Maria. L'appel de Ezequiel Lavezzi. Agüero. Pour Léo Messi, faut la mettre. Ah voilà, ça c'est encore très bien construit les mecs. Franchement, le jeu en passe, il marche bien dans cette équipe. Il marche très bien. Allez. Pour Messi. Pour Messi. Et voilà. Et voilà. C'est qui le papa? C'est qui? C'est le roi Léo. Voilà. Pff, voilà. Personne l'attaque. Le problème, les gars, c'est que si je vais au contact, il siffle faute tout de suite. Di Maria, Léo Messi, il est parti. Frappe, frère. Oh oui, arrêt de terre croisé. 99e minute de jeu. 5 à 4. C'est bien. Tu montres aux élèves comment faire. Oh là 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 là, il est content. Hein. Lavezzi qui remet à Kun Agüero. Kun Agüero pour Lavezzi encore. C'est magnifique. Rodriguez, tu la mets. Bordel, putain, c'est magnifique l'action. L'action, elle est magnifiquement construite et on n'arrive toujours pas. Oh putain, les pénaltys, les gars. Et la dernière fois qu'on avait des pénaltys, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, déjà on est dans le vert. Putain, ça a arrêté. Putain, finalement. Putain, il l'a mis au milieu. Pérez au milieu. Allez, dedans. Quoi? C'est la barre? J'étais dans le vert? N'importe quoi. C'est nimble. Je suis maudit au pénalty sur Foot World Cup en fait. Yes, à la côté. C'est bon. C'est pas encore fini, mais maintenant il faut la mettre. C'est Messi, j'espère. Agüero, c'est là. Allez dedans. C'est obligatoire. Merci quand même. Putain, je veux du bon côté. Mais n'importe quoi aussi, ça. Putain, voilà, perdu au pénalty nouveau. Les deux là, je les ai bien tirés, hein. C'est juste qu'il les a arrêtés. Il a eu plus de chance que moi. Donc voilà, on aura échoué avec l'Argentine, malheureusement. Donc dites-moi dans les commentaires, les gars, quelle équipe, quelle nation voulez-vous que j'utilise comme équipe pour la prochaine équipe, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires.
Par contre, évitez les doublons. S'il y en a un qui met le pays que vous voulez que j'utilise, vous mettez un like sur son commentaire et je prendrai la nation qui aura eu le plus de likes. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir les amis. Franchement, ça me fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur quand je vois que ça vous plaît mon travail. Ça me donne vraiment envie de continuer encore plus, de vous faire encore plus de vidéos. En tout cas, moi je dis à très vite, c'était Clopy. Bye tout le monde.